Eh bien, bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, je suis en compagnie de Higo, salut à toi. Salut. Donc aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 4, si je me trompe pas, sur la carrière des associés. Donc aujourd'hui, moisson, ça n'a pas pu tous se regrouper, donc prochain épisode en silage normalement. Donc aujourd'hui moisson, donc moi je vais moissonner, peut-être faire un peu de presse après pour vous montrer un peu de tout. Et après, faut toi que tu viennes presser Hugo derrière moi et que tu fasses les remorques en même temps, parce que tu vas fournir largement. Yes, yes. Bah, et moi j'avance à la moissonneuse. Hop, elle est déjà dans le champ. Mais la goulotte est ouverte, sauf que ouvert la goulotte. Non. Peut-être moi sans faire aspect tout à l'heure. Ah, ou alors c'est parce que quand j'ai switch, j'avais mon bouton de d'actionner. Possible. Ah, ça c'est la molette. Non. Ah ouais, par contre. Hop. Ce qui est pas mal aussi, c'est quand le volant il est détecté. C'est un peu mieux, disons. C'est après, c'est ce qu'on dit. Ouais. Il paraît. Ah ouais, il veut vraiment pas. J'ai fait une grosse couette. J'ai voulu programmer le GPS, mais j'ai fait une grosse couette. Bon, moi je crois que je vais devoir faire un décoreco. Bah, t'as le temps, n'empêche. Le temps que je commence un petit peu. Ouais, attends. T'as une zone morte, c'est ça? Non, non, c'est qu'il voulait vraiment pas être détecté. Genre, je vais bouger et pareil pour mes pédales et tout. Bizarre. Ouais, moi je vais voir ça. Non, pas... Hop! Ah, bah oui, il est bien pas détecté par Farnell. Mon joystick est détecté, mais pas mon volant. Du coup, on a la possibilité d'acheter le champ 38. Ce que je disais avec Théo, je sais pas si t'as été voir la vidéo. Acheter le 138. Ouais, si. Acheter le 138. Le champ 38. Hein. Il est en orange aussi. Donc après, faut essayer de. Enfin, on va voir au niveau paille comment on est. Ouais. Déjà, on va faire nos deux champs. Déjà, après, on verra. Hop. Donc, les amis, les deux champs de maïs sont prêts. En silé. Du coup, il n'y a plus qu'à. Plus qu'à attendre qu'on soit au moins 3, quoi. Et c'est pareil, je crois que j'ai cru voir un autre champ de maïs qui était bon en silé. Ah ouais? Ouais, dans la map, il y en a un. Si toutefois on n'a pas assez de maïs. Ouais. Là, c'est ce qu'il faudra faire aussi, c'est du foin. Je sais pas si l'herbe, comment elle est. Bah, du coup, vous aviez récolté ce que j'avais fait? Ben, on les a ramassés dans la vidéo dernière. Non, je les ai fait en off. J'ai fait ça en off. D'accord. Toi, t'avais fauché, toi? Ouais. Et Nico et Théo, ils ont endainé et bottelé. Moi, j'ai ramassé en off aussi. Donc du coup aussi on a changé la presse, j'ai vendu la presse pour 110 000 euros,
Donc pour une presse cubique, pour l'instant on n'avait pas forcément l'utilité. Du coup j'ai pris une presse à ballon, vous allez voir tout à l'heure quand j'irai presser sans doute un peu. Une presse à ballon, une rumbaleuse du coup, avec la possibilité d'enrobaner aussitôt derrière. Du coup c'est sera plus rapide si toutefois on veut faire un enrobanage. Et j'ai aussi changé, bah toi t'es pas au courant Hugo, le système. Ah oui. Ouais, parce que on a eu, bah t'étais peut-être là. J'avais eu le problème de. Putain, il y a du rendement. J'avais eu le problème de la faneuse. Ah oui, oui, oui. Et ça tenait très mal et dès que je montais dedans, je buguais. Et Théo, c'était pareil, qui buguait. Ok. Du coup, je l'ai changé, je l'ai vendu 105 000, si je me trompe pas, pour acheter un autre tracteur à un 6420 pour 96 000 euros. Avec chargeur okay. Aussi. On a aussi gagné de l'argent. Ok, ok. C'est là, dernier épisode, on était à 17 000 euros. Non, je suis plein. Wow, mince. 17 000 euros. On a gagné. Hop. On a gagné 20 000 euros pratiquement. Ouais. On va chercher une remorque. Bon, j'arrive, hein. Je délivrais le GEB du coup parce que. Mais pour ton volant. Ouais. C'est à mon avis, c'est pour ça qu'il veut pas. Mais j'ai même pas fait un tour que. T'es à moitié? Bah je suis plein. Ah! Ah oui d'accord. Bah le grand champ. Hein. Ouais mais bon, il y a quand même du bon rendement je pense quoi. Bah fertilisation à 100% et aucune ouais. Mauvaise herbe. Ouais. Donc, C'est pour ça. Là, on a fait la fertilisation et l'engrais dans vidéo dernier. Ouais. Ouais. Mais je l'ai regardé tout à l'heure. Elle est sortie à 10h. Du coup, moi tout à l'heure, faut que je tourne un épisode la carrière suivie. Ouais. Donc si tu peux, après, il faudra que je te passe les modes. Soit t'es jamais venu dessus. Ouais. Tu m'entends là? Ouais, je t'entends. Ok. Ah, ils sont de ma gueule. Putain, il veut que je redémarre mon PC pour terminer le truc. Il abuse. Ah ouais, c'est vrai. Quoi? Je vais mettre le GPS, ça fera une... Ah ça ouais. Sera pas une ligne entière, mais c'est pas grave. Oui, c'est vrai, je suis pas en 11 mètres. Pour ça, je suis en 9 mètres. Attention, synchro. Ouais, je vais faire comme ça, ça fera une coupe droite ici au début. Tu t'appelles Hugot, toi maintenant? Ah, peut-être, je sais pas fait gaffe. T'as mis un T à la fin. Ah ouais? Ouais. Ah, je sais pas, j'ai même pas fait gaffe, tu vois. Je viens juste le voir. Tac. Ah.
Ok, tu sais quoi? Je déteste officiellement ce jeu. Après, le volant qui est pu détecter, c'est la zone morte que j'ai oublié de régler. Putain, non, non. C'est toi qui fais pas bien les choses aussi. Ta faute. Moi, la zone morte, je l'ai pratiquement plus en ce... Enfin, ça fait longtemps que je l'ai pas eu. Bah, hey, mais bon. Ah si, je l'ai eu la dernière fois au dernier épisode. Parce que j'avais joué sans mon volant, du coup cela c'était normal. Mais sinon... Mais tu vas voir, un jour je vais me faire avoir, je vais l'avoir oublié. Puis... Garanti. De toute façon, en vrai, je la vérifie très rarement, moi. Ah oui, moi aussi, hein. Enfin, moi c'est pas très rarement, c'est jamais. Ouais. Pourtant, je vais voir tout à chaque fois que je me connecte sur Farming. Je vais voir s'il y a des nouveaux mods du seul mode. Ouais. Toi, c'est pas un truc qui est obligé. Quand la zone morte, ce serait, ça pourrait être. Alors, je vais voir les mods et je lance Farming. Ah oui, merde, la zone morte. Ou des fois, je lance Farming. Quand on avait plein de mods, je lance Farming. Je reviens sur la partie. Oh putain, j'ai oublié d'enlever la zone morte. Ouais. Ça m'arrive, ça. Mais bon, on l'aime quand même un minimum ce jeu. Ouais. Sinon. On n'y jouerait pas. Ouais. Bon, on y joue moins quand j'y jouais avant. Ouais. C'est bien dommage, je trouve quand même. De quoi? Qu'on y joue beaucoup moins qu'avant. Ouais. Ah ouais, par contre les graphismes à fond ça pète, hein. C'est pas mal. Ah ben. Ah, est-ce que eux ils savent pas, mais t'as changé de PC du coup. Bah. Putain, mais t'avances vite. Avant. Du coup, je sais pas, si t'as... Je sais pas si t'as une préchambre ou... Ah non. 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 Dommage ça. Bah elle s'ouvre toute seule, non? La porte? Ouais. Ouais. Ouais, ouais. Ouais, t'as touché à aucun bouton là, juste pour la décharger. Ouais, c'est ça. Mais tu roules deux fois plus vite que moi, quoi. En vrai, là, si on se met à faire le ribanage, ce sera beaucoup mieux. Ouais. Et après, avoir une presse cubique, ça coûte cher. Et on n'a pas forcément l'utilité de... d'en avoir une maintenant. T'en décharges là? Ouais, ouais. Ouais, c'est ce que ça me fait. Le GPS a déconné. Ah. Il m'a fait un demi-cercle aussi. Bon les amis, moi je vais mettre un petit accéléré. On se retrouve une fois que je suis dans la presse ou une fois que je commence la réflexion pour faire le champ 38 ou pas. Allez, à tout de suite. We'll be right back.
Bon, du coup, on va s'arrêter là, parce qu'au final, sinon la vidéo va être trop longue. Après, plus tard, quand j'aurai une meilleure co, j'essaierai de faire une meilleure qualité, une meilleure. Plus longue, disons. Donc, je pense qu'on va faire le champ 38, Hugo, non? Comme ça, on sera tranquille en paille. Ouais. Tranquille en paille. Et, après, faut qu'on voit aussi combien on paye. Là, va falloir qu'on paye l'OTA, la moissonneuse. Faudra qu'on paye l'OTA en ouais, l'hectare. Et après, pourquoi pas payer aussi à l'hectare. Ça va nous coûter cher tout ça. Ouais. Je reprends le bout. Hop. Bon, les amis, moi je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager pour qu'on atteigne les plus vite les 1000 abonnés. Hugo risque de créer sa chaîne bientôt. Donc, normalement. Normalement, si tout se passe bien. Donc on vous tiendra au courant du nom de la chaîne pour qu'on puisse aller voir son contenu aussi. Donc je vous dis à la prochaine, portez-vous bien. Allez, salut Hugo. Salut.